Bonjour à tous, bienvenue sur Fans de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente le Ontario AirTag 2. Comment parler du AirTag 2 sans évoquer le AC Hunglass, puisque le AirTag 2 est le père du Hunglass? Y a-t-il une différence entre ces deux couteaux? Est-ce que le fils fait mieux que le père? Et finalement, si vous hésitiez à acheter l'une de ces deux lames, laquelle serait faite pour vous? J'essaierai bien évidemment de répondre à cette question pendant cette vidéo. La première question qu'on se pose et que je me pose, c'est: a-t-on réellement besoin d'un couteau qui mesure 43 cm avec 27 cm de lame? La réponse est clairement non. C'est lourd, c'est gros, c'est encombrant, c'est pas pratique à prendre avec soi. Finalement, comme c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, on le prend que très rarement pour aller jouer dans la forêt. Et imaginez, si vous faites arrêter par les gendarmes, au mieux ils vous le confisquent, au pire vous finissez au poste. Comment allez justifier le fait que vous allez couper du bois avec un couteau de cette taille-là? Prenez une hache, ça sera peut-être un peu plus simple à justifier le fait que vous alliez couper du bois. Par contre, ce qu'il y a de sûr, et j'insiste, c'est que je retire un réel plaisir à utiliser ce genre de couteau pour aller couper du bois. Et c'est ce que je viens de faire avec mon AirTag 2 il y a 2 secondes lorsque j'ai fait ces coupes à la volée. J'ai retrouvé exactement le même plaisir que j'avais avec mon AC Hunglass lorsqu'il s'agit de couper du bois. C'est presque aussi efficace qu'une hache. On a ce côté un peu dangereux à l'utilisation. Il faut faire hyper gaffe lorsqu'on utilise une lame de cette taille-là, au placement, où on se place. Si jamais la lame, elle rippe, bah, la lame, elle finit dans votre genou, comme lorsqu'on utilise une machette ou lorsqu'on utilise une hache. Donc, il y a ce côté aussi, il faut faire gaffe. Il y a ce côté, voilà, c'est gros, c'est lourd. Il y a cette puissance de coupe qui est indéniable avec ces couteaux. Et il y a vraiment, je retire réellement un réel plaisir. J'avais même oublié le plaisir que j'avais avec mon Hunglass. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir finalement avec mon AirTag 2. Donc à l'utilisation pure, aucune différence entre ces deux couteaux. La différence majeure qu'il va y avoir entre ces deux couteaux, ça va être au niveau du, en anglais ils disent fit and finish, au niveau de la qualité de fabrication et d'assemblage. C'est clair que sur le Hunglass de chez AC, on voit clairement qu'ils y ont passé un petit peu plus de temps à la fabrication. Tout a été vraiment bien contourné, tout a été bien fini, il y a vraiment l'assemblage, il n'y a aucune délimitation entre les plaquettes et le manche. Alors, on est toujours sur un énorme manche, il est encore plus gros sur les AirTag 2, donc c'est pas fait pour les petites paluches, ça c'est à savoir. Et pareil au niveau de la finition de la lame, ici on est sur un revêtement qui est assez lisse, qui va durer bien plus longtemps que celui du AirTag 2, qui va s'user comme tout les revêtements, mais bien moins rapidement que sur le AirTag 2. Et celui-ci, le fait qu'il soit quand même beaucoup plus lisse, il va moins prendre, ça va plus glisser dans la matière, il va moins prendre ici, comme il a pu le faire ici en 2-3 coups, toutes les écorces de bois qui viennent se caler dans le revêtement. Ça va être aussi un peu plus chiant à nettoyer. Pareil sur l'acier, là on est sur du 10-95, là on est sur du 51-60, donc c'est deux aciers carbone. Sur le papier, le 10-51-60 est un peu plus résilient, donc un peu plus résistant au choc. Et le 10-95 va tenir un tranchant peut-être un petit peu plus longtemps que le 51-60. Il y a eu, c'est vrai, des problèmes de casse sur le 51-60 au départ avec les Ontario, surtout sur les AirTag, puisque comme je vous ai dit, c'est un couteau de bourrin, c'est un couteau qui est fait pour choper, pour la coupe à la volée, pour le bâtonnage. Et il y avait des casses, c'est un problème de traitement thermique. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums et d'après ce que j'ai pu voir assez récemment, ils ont réparé, ils ont amélioré leur traitement thermique et on aurait pu cette casse aussi répandue sur cette génération, cette nouvelle génération de Ontario avec le 51-60. Après, au niveau, ce sont des aciers carbone, des aciers qui vont rouiller, mais voilà, finalement que très peu de différence entre ces deux aciers. Encore une fois, le problème, normalement, le problème de casse sur les Ontario a été résolu avec un traitement thermique de meilleure qualité, ou alors ils ont tout simplement changé la façon dont ils faisaient. Ce qu'il faut savoir, donc comme je vous ai dit sur les AirTag, ça va être au niveau des finitions. On n'est pas, c'est pas aussi bien fini que sur un AC, c'est pas aussi bien assemblé, ils y ont passé moins de temps. Pareil sur le manche, on est sur un manche qui est encore plus gros, donc là il faut encore plus des grosses paluches. Mais encore une fois, c'est pas gênant pour faire ce qu'on fait avec ce genre de couteau. C'est pas un couteau avec lequel vous allez vous sculpter une petite cuillère. Donc c'est un couteau qui est vraiment fait pour bourriner. Et dans cette optique de bourrinage, honnêtement, lorsque j'ai fait mes petites coupes à la volée, mon petit bâtonnage, aucune différence entre ces deux couteaux. On a un très bon micarta qui a un très bon grip, mais c'est vrai que le manche du AirTag est un peu plus rectangulaire que le manche du AC Hunglass. Le revêtement, c'est clair que là il y a une nette différence entre les deux. Là, on est sur un revêtement qui est hyper rugueux.
Ça fait presque un peu lime, ça peut presque faire lime à ongles à la limite. Si vous pétez un ongle pendant que vous coupez, vous pouvez vous le limer sur le revêtement va partir aussi beaucoup plus facilement. Voilà, c'est un peu plus, ça fait un peu plus brut de forge. Ça, c'est ce que j'entends par revêtement plus agressif que sur le Hunglass. Vous voyez ici, on va avoir pas mal de matière, donc ici en l'occurrence c'est du bois, qui va se coller, qui va se foutre dans le revêtement et ça va être un peu plus galère à faire partir. Autre chose, vous voyez, à force de faire de la coupe à la volée et un petit peu de bâtonnage, donc comme d'habitude, hein, je vous montre pas tout non plus, mais voilà, je commence à avoir un décollement de la plaquette ici, vous voyez. Et c'est cette vis là qui est en train de se dévisser, donc malheureusement je n'ai rien pour la resserrer ici, c'est pas très important, mais ça participe au fait qu'on est, voilà, c'est, ça m'est jamais arrivé sur un SI par exemple, alors c'est pas grave, hein, vous enlevez la vis, je vous mettez un petit coup de frein filet sur la vis, et vous resserrez le tout, et le tour est joué. Mais voilà, toutes ces petites choses me font dire, et participent au fait qu'on est effectivement sur un couteau d'une finition, d'une qualité d'assemblage et de finition, inférieur à ce que Essie fait avec son Hunglass. Maintenant, encore une fois, à l'utilisation, honnêtement, aucune différence entre ces deux couteaux. Un peu à l'ergonomie sur le petit travail, mais encore une fois, ces couteaux-là ne sont pas faits pour le petit travail. Je termine avec les étuis. Parce que là, clairement, il y a une grosse différence. C'est ce qui peut aussi justifier le tarif qu'il y a entre ces deux couteaux. Et je vous terminerai par le tarif, bien évidemment. Ici, c'est l'étui du Hunglass. Donc, c'est moitié kydex, moitié nylon. C'est pas mal du tout, puisque vous avez un système de blocage de la lame, encore une fois. Et pour rappel, hein, le Hunglass, il a été créé et conçu pour l'armée américaine qui allait chasser le narcotrafiquant en Amérique du Sud. Alors dans ma petite forêt landaise, je suis très loin du narcotrafiquant et je suis très loin de la jungle sud-américaine. Mais c'est, voilà, c'est comme ça qu'il a été conçu, en tout cas le Hunglass. Et donc vous avez ce bel étui que j'aime beaucoup, hein, sur le Hunglass, qui sécurise vraiment la lame à l'intérieur, qui sécurise le couteau, histoire, parce que quand ils sautaient en parachute, il fallait pas qu'ils perdent leur couteau lorsqu'il était attaché à la ceinture ou attaché au sac à dos avec tous les passants molles que vous avez à l'arrière. Donc ça, c'est vrai que l'étui, voilà, c'est clair et net que sur l'étui du Essie Hunglass, c'est bien plus qualitatif, c'est bien plus, voilà, je préfère un étui kydex, c'est clair, qu'un simple étui nylon. Et ce qui me fait dire qu'on est sur la deuxième génération de Ontario AirTag 2, c'est que la première génération, l'étui n'était pas le même. Donc là, ils ont même, on va dire, changé l'étui sur les dernières générations de AirTag 2. Donc c'est un étui nylon, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est assez basique. On a la lame qui se balade un petit peu, alors même s'il y a un insert ici en plastique, mais voilà, on a la lame qui va se balader à l'intérieur. Ça fait le travail, hein, ça protège la lame, ça protège le couteau, ça évite qu'on se coupe lorsqu'on a le couteau dans un sac à dos. Vous avez quelques passants vol à l'arrière. Après, le fait qu'il y ait un passant ceinture, honnêtement, je me vois mal aller me trimballer avec un, que ça soit le Hunglass ou celui-ci, aller me balader en forêt avec ça à la ceinture, faut être complètement inconscient, je pense. Voilà, donc c'est vraiment, c'est clair, voilà. Sur le AirTag, c'est voilà, brut de forge. Pour celui qui n'a pas forcément les moyens de mettre 220€ dans un Essie Hunglass, je pense que ça, le AirTag, c'est une super alternative. Ce couteau-là, je l'ai payé 105€, donc c'est moitié moins cher. Est-ce qu'on en a moitié moins? Absolument pas. Est-ce que l'étui, oui, effectivement, il y a des petites différences qui justifient, et ce qui peut justifier finalement le prix d'un Essie Hunglass, parce que c'est vrai que 220€ pour du 10,95€, ça peut paraître assez cher. Mais voilà, vous avez vu que sur la finition, sur l'étui, sur la qualité de fabrication, sur le revêtement qui va tenir également plus longtemps, il y a quand même des améliorations qui ont été faites par rapport au AirTag 2. Ici, voilà, c'est vraiment brut de forge. Pour celui qui s'en fiche de tous ces petits détails de finition supplémentaires, honnêtement, allez-y, hein, le AirTag 2, c'est un super couteau qui fait un travail, mais c'est juste, encore une fois, c'est juste génial à utiliser. Et puis je terminerai par la garantie, parce que c'est aussi ce qui va faire la différence entre un AirTag 2 et un Essie, et finalement entre Ontario et Essie, hein, pour résumer, c'est que Essie, vous avez une garantie à vie, no question asked, c'est-à-dire sans, il vous pose pas de questions, vous cassez votre couteau Essie, vous le mettez dans la boîte, vous le renvoyez, il vous en renvoie un neuf sans vous poser de questions, ce qui est absolument pas le cas sur le AirTag 2. Le AirTag 2, si vous le cassez en moins d'un an, parce que la garantie, je crois que c'est un an ou deux ans maintenant, normalement, il vous le renvoie, surtout s'il voit que votre couteau, il a été finalement que très peu utilisé, hein. Là, on voit très clairement que le couteau, je ne l'ai pas utilisé des masses. Donc, si jamais il pète, voilà, normalement, au bout d'un an ou deux maintenant, il vous en renvoie un neuf. Mais c'est clair qu'on n'est pas du tout sur le même type de garantie, ce qui peut aussi expliquer le fait qu'on paye toujours un petit peu plus cher lorsqu'on achète des couteaux Essie. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été intéressant et que ça vous a permis de faire votre choix entre ces deux magnifiques couteaux, le AirTag 2 et le Essie Hunglass. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fans de Couteaux.
Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.